Coucou les amis, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis tellement contente de vous retrouver pour une recette spéciale, une recette spéciale à moi que je tenais à partager de tout cœur vu tout le bien que ça apporte à mes cheveux, vu comment mes cheveux adorent cette recette et j'ai tenu à faire en sorte que... Tout le monde, alors les cheveux de mes reines, les cheveux de ma communauté, puissent bien sûr profiter aussi de cette recette qui est la recette de mon lait capillaire, mon living conditioner. Et j'espère que ça va valoir le coup d'avoir attendu tout ce temps pour cette recette. On passe directement à la recette. Cette recette sera réalisée dans deux phases. La première phase, qui est la phase huileuse, je vais utiliser deux cuillères à soupe de beurre de cacao, soit 10% ou 10 grammes de ma recette. Ensuite, je vais utiliser une cuillère à soupe et demie de conditionneur végétal euh, qui représente 5% de ma recette. Pour cette recette, j'utilise le beurre de cacao. Voilà, je vous ai montré les marques. Et j'utilise le BTMS conditionneur végétal et émulsifiant. Ensuite, je vais utiliser euh, 4 cuillères à soupe d'huile d'olive qui est réputée pour pénétrer facilement les cheveux. Et je vais commencer par chauffer ma phase au bain-marie. Et pendant que ma phase huileuse se fait chauffer au bain-marie, je passe directement à la phase aqueuse. Je vais ajouter 8 onces de jus de fenugrec, qui est l'équivalent d'une tasse de jus de grec. Et donc le jus de grec, je l'ai récupéré à partir des graines de grec bouillies pendant près de 20 à 30 minutes. Ensuite, je vais ajouter 100 ml de lait d'amande. Euh, J'ai acheté mon lait d'amande au supermarché, mais vous pouvez bien sûr récupérer des amandes que vous faites mixer et vous allez filtrer pour avoir votre propre lait si vous ne pouvez pas acheter au supermarché. Alors je vais ajouter maintenant 4 cuillères à soupe de gel de fénon grec fait maison si vous ne savez pas comment préparer votre gel de fénon grec la vidéo sera dans le lien de cette vidéo même dans la description alors ensuite je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à soupe de glycérine végétale il ne faut surtout pas abuser de la glycérine végétale vu que ça peut dessécher les cheveux et les abîmer et pendant ce temps, je fais chauffer mes deux phases simultanément et ensuite, je vais aller verser la phase aqueuse dans la phase huileuse tout en les mélangeant vigoureusement avec un fouet manuel afin de procéder à mon émulsion. Bien sûr, je vais enlever sur le feu parce que j'avais oublié d'éteindre le feu et je vais plonger dans de l'eau froide ou dans de l'eau glacée. Et l'émulsion va commencer déjà. Vous allez remarquer que ça commence à devenir beaucoup plus épais. Bien sûr, vous pouvez fouetter jusqu'à ce que vous ayez la consistance désirée. Voilà pour moi. Ici, c'est la consistance que je préfère. Et bien sûr, je vais passer à l'ajout de mes actifs. Ici, je vais ajouter une cuillère à thé de protéines de soie. La protéine de soie qui non seulement fortifie les cheveux mais aussi les rangs souples et doux tout en les gainant. Ensuite, je vais ajouter quelques gouttes de ma provitamine B5 à base de bambou qui non seulement embellit, fortifie les cheveux, les rend doux et ça apporte et accélère la pousse des cheveux. Ensuite, je vais ajouter une cuillère à café de MSM, le MSM qui est réputé pour euh, fortifier les cheveux accélérer la pousse et aussi embellir les cheveux et aide les cheveux à problème et bien sûr pour l'odeur et non seulement l'odeur mais aussi pour la pousse et le volume j'ai choisi d'ajouter 5 gouttes d'huile essentielle de vanille et 8 gouttes d'huiles essentielle d'Ylang Ylang ces deux huiles essentielles qui sont favorables à la pousse et à la santé des cheveux et qui sentent déjà super bon donc j'ai fait d'une pierre deux coups et là maintenant je vais ajouter mes conservateurs naturels. Je dis mes parce que j'utilise deux conservateurs qui sont le Germaben et le liquide le Sidal. Mais vous pouvez juste utiliser le Cosgard. Là où je vis, il fait super chaud et mes choses se gâtent super vite aussi. Donc j'ai préféré utiliser ces deux conservateurs dans mon lait, mais vous pouvez choisir le coscar selon où vous êtes. Vous pouvez voir, après l'ajout des conservateurs, c'est un petit peu plus épais. Et voilà, je vais transvaser dans une bouteille à pompe. Et je dois vous dire que mon mélange, alors le petit bol m'a donné deux bouteilles de 150 millilitres. Donc j'en ai pour un bon moment. <laughs> J'aurais aimé avoir des amis tout près où je pourrais donner. Mais bon, j'ai deux petites bouteilles et on va passer à l'application et au conseil. Alors les amis, euh, on va passer à l'application. Je suis trop heureuse chaque fois que je prépare mes soins. C'est le bonheur pur chez moi. C'est le bonheur complet. J'adore trop préparer mes soins. Et donc j'avais les cheveux super super secs parce que j'avais fait mes soins il y a une semaine et je les ai plus jamais retouchés, je vous mens pas. Donc ils sont super secs, vous pouvez le constater par vous-même. Donc d'abord je vais vaporiser à l'aide euh, d'un liquide, vous pouvez choisir un thé. Moi dans mon vapeur il y avait le jus d'aloe vera et ensuite je vais appliquer mon lait capillaire. Ce lait capillaire, vous pouvez l'appliquer après lavage, pendant la coiffure. En fait, ça fait tellement de bien aux cheveux. Vous allez vous-même constater comment mes cheveux deviennent super souples juste après que j'applique. Donc, j'applique sur mes pointes et sur mes longueurs, bien sûr. Et ensuite, je vais utiliser mes deux paumes pour bien masser le liquide. Alors le lait capillaire tout au long de mes cheveux, vous pouvez constater déjà mes cheveux sont en train d'obéir. Regardez bien ça, ils obéissent parce que ce lait capillaire à base de um, beurre de cacao, de MSM, de glycérine végétale et le fenugrec m'ont produit chaud chaud. Je vous dis même pas comment mes cheveux sont super doux et souples. Chaque fois que j'utilise ce lait, ce Living Conditioner, depuis un moment, je l'utilise. Et j'ai attendu longtemps avant de partager que je l'utilise. Et maintenant, enfin, je peux vous partager la recette et vous pouvez faire vous-même aussi. Et bien sûr, après mon Living, tout ce que je fais, je scelle mon hydratation avec mon beurre nourrissant. Et la recette se trouve aussi sur ma chaîne. Vous savez que Wood, elle aime tout partager quand ça marche. Elle aime venir partager avec sa communauté. Donc maintenant, vous allez avoir à peu près ma routine capillaire complète sur ma chaîne. Et donc, vous n'allez plus avoir à me demander ce que je fais pour avoir ma longueur parce que... Je ne vous cache absolument rien. Tout est sur ma chaîne. Et bien sûr, vous avez le choix. Vous avez l'option de commander ces produits à travers ma gamme. Mais vous savez aussi, si vous n'avez pas le besoin de commander avec moi, vous pouvez les préparer chez vous. Et c'est comme ça que je me sens beaucoup mieux. C'est comme ça que je me sens bien quand je sais que... Même si vous ne commandez pas avec moi, vous pouvez préparer chez vous. Alors quand j'ai fini, je vais sécuriser. Regardez-moi ces belles vanilles. Et donc si j'ai trop parlé, si j'ai parlé trop vite, je recommence. Alors je reviens en arrière pour vous montrer la dernière partie. J'ai fait le reste aux caméras. Donc d'abord, je vaporise. Ensuite, j'applique mon lait capillaire. Ah! Ça sent trop bon, surtout avec le beurre de cacao, ça sent super bon. Et là, comme je fais toujours de grosses vanilles, ce que je fais, je sépare toujours mes cheveux en petite quantité et j'applique le lait capillaire, mon living conditioner, afin de m'assurer que tous mes cheveux soient bien imprégnés de mon produit. Regardez-moi cette longueur, <laughs> mais je veux en trop pousser. Et bien sûr, j'ajoute partout, j'ajoute sur mes pointes spécialement parce que mes pointes se dessèchent le plus rapidement que le reste de mes cheveux. Et bien sûr, je masse, je démêle au doigt. Si vous démêlez avec un ce c'est pas un problème. Si vous démêlez avec un, une brosse, c'est pas un problème. Mais moi, je démêle au doigt. Ça fait déjà un an que je démêle que au doigt. Et donc, je cherche mes nœuds pendant ce moment parce que les cheveux sont tellement doux, c'est facile d'enlever les nœuds dans mes cheveux pendant l'application de mon lait capillaire. Et bien sûr, pour sceller mon hydratation, j'utilise un beurre parce que le beurre, alors la crème au moringa, je trouve que ça me garde ma mon hydratation le plus longtemps que possible mais vous pouvez bien sûr choisir de sceller votre hydratation avec une huile de votre choix et donc voilà je vais masser je démêle je fais tout pour enlever les nœuds et je masse et bien sûr je vais sécuriser à l'aide d'une vanille j'espère vraiment que cette vidéo vous aide cette recette vous aide parce que ça aide tellement à garder la longueur parce que je vous dis déjà la rétention c'est ce qui donne de longs cheveux donc si vous perdez les cheveux pendant la pousse vous n'allez jamais avoir de longs cheveux donc il vous faut quelque chose qui vous aide à garder la longueur qui vous aide à garder les cheveux hydratés et ce les contient tout ce qu'il faut pour ça des produits hydratants des produits pour la pousse des produits fortifiants ce lait contient quasiment tout. Alors voilà, c'est ma coiffure pour la semaine. Toujours mes grosses vanilles avec mes pointes cachées. Alors, c'est la fin de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.